Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Young's Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, si vous êtes abonné, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'une chose très intéressante. Partagez cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, question sur balai, ça va d'accord, abonnez-vous sur notre chaîne et activez la cloche là-bas. Ça m'étonne. Mes frères et sœurs, réussir, surtout dans l'industrie de la musique, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Il y a même un homme que j'ai connu. Cet homme s'est confessé, même à la télévision, et il a dit que lui, il avait du talent. Il avait tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour réussir. Même pour être connu au niveau international. Mais ça ne marchait pas. Pendant que ça ne marchait pas, il pouvait voir ses collègues qui étaient même plus faibles que lui en la matière qui prospéraient. C'est comme vous êtes dans une classe, les gens n'ont pas de niveau et ils sont plus forts que vous. Ils évoluent dans du succès. Or, vous avez le niveau. Vous posez forcément la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? C'est triste. Mais c'est une dure réalité. Un jour, ce dernier, il a approché ses collègues et il a posé la question de sa mère. Pourquoi vous frottez-vous des trucs bizarres sur vous avant d'aller sur scène? Et tout de suite, il y a l'un qui leur a dit que c'est de là que leur vient leur pouvoir. Et que ils ont un marabout. Et c'est ce marabout-là qui fait le travail en dessous. C'est-à-dire que comme lui, quand vous voyez ça sur le podium, et que tout le monde l'applaudit, c'est que derrière là, il y a un groupe de personnes qui travaillent dans le monde des esprits qui a fait le travail. Ce n'est pas dans tous les cas. Nous parlons des cas où des stars décident d'envoûter les gens afin qu'ils aient du succès. Ce sont des choses qui sont réelles. Maintenant, nous allons vous dire ce qui se passe concrètement à ce niveau. C'est les choses qui amènent parfois les gens à réussir comme ça. En Afrique, on dit à la sorcellerie. Mais en Europe, on parle de la magie noire. On parle également des sectes. Et on parle aussi de vendre son âme au diable. Qui achète les âmes? À qui on vend les âmes? Qui aide? Nous avons dit que sur la terre ici, il y a des féticheurs. Il y a des occultistes. Les marabouts, vous savez. Il y a les satanistes aussi. Il y a les médiums. Il y a toutes sortes de mauvaises choses. Il y a la magie noire, il y a la magie rouge, il y a même la magie verte, il y a la magie blanche, il y a toutes sortes de vilaines choses. Et toutes ces choses-là, ce sont des trucs qui appartiennent au diable. Quand tu veux prospérer et prospérer rapidement, le diable vient te voir au travers de ces agents qu'il a placés à ces différents endroits que nous venons de vous citer. Et ce sont ces agents-là qui vous proposent des choses afin de pouvoir vous aider à réussir. Mais le diable, vous savez, c'est le mauvais gars. Le diable ne peut pas vous faire réussir. En fait, il va vous tromper d'abord. Il va vous blaguer. Il va vous dire que c'est lui qui peut vous aider à avoir du succès. Et c'est là. On va vous demander de passer par des trucs bizarres, d'être avec lui. Mais ça va se manifester de façon très simple. Très, très, très simple. Disons, toi, tu es là tranquillement, tu es assis quelque part. Peut-être qu'il y a un collègue. Toi, tu chantes, tu es un rappeur. Lui aussi, il est un rappeur. Et lui, tu vois que lui, il a réussi. Et forcément, tu vas pouvoir savoir comment tu as fait. Si tu es tombé sur un fou gars, qui est passé par un mauvais chemin pour réussir,
il va t'amener là où il est allé pour pouvoir avoir du succès. Et c'est en ce moment-là que les problèmes des gens commencent. Il y a un cousin. Lui, il est vraiment très fort en la matière. Il cherche à réussir, ça ne va pas. Et voici qu'un jour, il va nous raconter un truc terrible. Il va nous raconter que dans nos groupes d'amis, il y a quelqu'un qui l'a approché pour lui dire que si ça ne va pas dans sa vie, c'est parce qu'il n'a pas touché à une chose qui va lui permettre de voler. Quelle est cette chose qui va lui permettre de voler? Et il regrette. Il lui a envoyé, il lui a dit, viens, on va aller chez un féticheur marabout. Ce gars-là, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Si tu viens, il va travailler pour toi. Il va te donner du succès. Mais comme mon cousin, lui, il a reçu une bonne éducation, c'était un chrétien. Franchement, il dit qu'il a refusé tout de suite. Moi-même, quand il m'en a parlé, là, je ne pouvais pas même croire que c'était un ami qui était même proche de nous, qui pouvait avoir une telle connaissance. C'est-à-dire la connaissance des marabouts. Peut-être là, des marchands ensemble, mais les gens, eux, sont déjà dans les games. Ils sont déjà dans les camps. Ils fréquentent déjà des marabouts. Il faut même de ces rituels, des pratiques de culte terribles que vous ne pouvez pas vous imaginer pour avoir du succès. Parce que le monde de la musique qui est là, là, c'est un monde terrible. C'est un monde vraiment terrible. Quand vous arrivez déjà, vous voyez des gens qui sont déjà devant vous. Tu peux avoir moins 400 artistes, 400 personnes, doués de talent. Ils ont des dons terribles. Et toi, tu veux prospérer. Et toi, tu veux réussir et être à la tête de toutes ces personnes. Pour pouvoir être à la tête de toutes ces personnes, il va falloir que tu aies quelque chose que les autres n'ont pas. Mais c'est là que tu vas comprendre que pour être à la tête, tu n'as pas forcément besoin d'être le plus fort. C'est là où je dis que tu n'as pas besoin d'être le plus fort. Mais tu peux faire un sacrifice qui va dépasser tous tes amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce game-là, dans la musique profane, quand les gens arrivent comme ça, pour être au sommet là, on va demander de faire des sacrifices plus grands que les autres. Et ce que les autres n'ont pas pu faire là, c'est ce que toi tu vas faire pour être à la tête. Parce que c'est comme ça, ça marche. Au fur et à mesure tu fais plus de sacrifices, au fur et à mesure tu as la tête. Plus tu fais des sacrifices, plus tu évolues. Plus tu fais des sacrifices, plus tu évolues. Et c'est réel. C'est là les gens disent, ah mon frère, même de la chanson, on vous dit, ah mon frère, j'ai tout fait, mais personne ne me recrute. Vous voyez, il a finalement fait un pacte avec Belzebul. Il y a un gars comme ça qui chante comme ça dans sa chanson. Quand il chante comme ça, vous pensez que c'est de la blague. Ce dernier disait que lui, il n'a jamais, c'est une star de rap. Hein. Il dit que lui, il n'a jamais souhaité être célèbre. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Lui veut juste avoir de l'argent seulement. Mais il est vraiment gravement, il est vraiment surpris de savoir qu'il est devenu si célèbre. Mais tout ce qui l'intéresse, c'est sa thune. Mais ça l'a rendu célèbre. Et il doit faire avec. Mais il est entré dans les bails noirs. Et pour pouvoir avoir du succès, il est obligé de faire des choses terribles. Certains même se confessent pour dire qu'ils ne dorment pas la nuit. Parce que pour être à la tête, ils ont dû faire des trucs. Et ces choses-là peuvent même aller jusqu'au sacrifice de bébé. À qui? À un démon. Même au démon Baphomet. Asseyez-vous. Soyez prêts. Ce sont des choses qui sont vraiment réelles. Vous pouvez même penser que c'est de la blague. Il y a un démon qu'on appelle le démon Baphomet. Le démon Baphomet, on le connaît bien. C'est aux États-Unis, là-bas, les gens prêchent bien son nom. Parce que ce démon-là aide les gens à avoir beaucoup de succès. Oui. Et les gens offrent des sacrifices à ce démon-là pour rester à la tête. On parle devant son âme au diable.
Ce sont des choses qui sont réelles. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que toutefois, quand les gens viennent dans cette industrie de la musique et ils veulent vraiment réussir, qu'ils vendent les avocats, le diable va passer par, va utiliser ça pour les maintenir au sommet. C'est-à-dire, tu as vendu ton avocat, le diable va t'utiliser pour te maintenir au sommet. Il peut même te donner des démons même qui vont maintenant même te posséder. Même ton nom même risque de changer. Oui, parfois même on change ton nom. Tu es déjà réussi et tu as porté une voix bizarre. On va te faire changer le nom. Ils vont aussi te demander de passer par des rituels. Il y a certaines même personnes à qui on demande de coucher avec d'autres hommes afin qu'on puisse se produire et avoir du succès. On vous a dit, c'est pas facile d'être à la tête. Être à la tête dans ce métier-là, c'est pas du tout facile. Et pour être à la tête là, d'autres personnes me rendent les sectes. Quand ces personnes rendent les sectes, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, tu sais, tu es venu ici, nous on va t'aider à être toujours à la tête, toujours à la perfection. Et toi, tu es content. Ils vont même te dire que tu es rentré dans cette secte, ne t'inquiète pas, c'est juste une science, un truc simple, tu es venu. Nous allons juste te montrer ce qu'il faut faire et tu verras, ça va aller. Mais il faut être fort. Ils ne te diront pas clairement ce qui t'attend. Ils ne vont pas te dire qu'ils vont t'utiliser et à un moment donné, ils vont te sacrifier. Parce que eux-mêmes, là, ils sont des lions aussi. C'est comme une jungle. C'est le plus fort qui reste en vie. Sinon, on te consomme, on te consomme. C'est exactement ce qui se passe. C'est ça l'industrie de la musique. Et voici ce que le diable était de faire pour attirer les gens. Quand toi tu regardes la télévision et puis tu vois les clips où tu vois les femmes comme ça, il y a des gens qui aiment des femmes ici, ils aiment les femmes jusqu'à. Ils aimeraient même faire un plan à toi. C'est-à-dire avoir trois femmes même sur son lit, lui, c'est ce que lui veut. Et quand il voit l'argent, il est excité. Oh, je veux l'argent. Quand tu as de tels désirs, le diable regarde bien ton cœur comme ça et il regarde tout ça et il va maintenant sélectionner ce qu'il va utiliser pour t'avoir avec lui. Mais quand tu vois ton âme, qu'est-ce que tu perds? Quand quelqu'un vient pour voir son âme juste pour réussir, juste pour être célèbre, même si c'est dans une quelconque autre chose, même si c'est par exemple dans l'industrie cinéma, tant de dire, viens, tu vas vendre ton âme pour réussir, tout ça. Quand tu vends ton âme là, au diable, dans ta tête, déjà le diable te dit que toi, il ne faut même pas t'attendre à aller au paradis après. C'est-à-dire toi-même, tu sais que l'ascension du paradis n'existe plus, quoi. Et que tu vas directement en enfer. Seul le Seigneur qui peut te sauver, oh. C'est le Seigneur qui peut te racheter ton âme. Parce que quand tu vois ton âme au diable, tu l'as donné. Ton âme est partie et c'est un démon maintenant qui te possède. Qui t'aide même à faire du sale dans ta musique, monter les femmes nues. Bon, regardez même ce qui se passe. On monte même des femmes en maillot de bain. Et on monte des hommes. Il faut du n'importe quoi, comme si c'était un film pornographique. Que vous tentez de regarder. Et on les récompense même pour ça. On les récompense pour ça. Ils ont les Grammy. Ou pas, c'est un hasard. C'est le temps que tentez de gouverner ça. Et c'est ce qu'ils ont fait pour être à ce niveau-là. Pour être à ce niveau-là. À ce stade. Ça veut dire que toutes les personnes qui ne vont pas passer par là ne vont pas évoluer. Toutes ces personnes qui vont passer par là ne vont pas évoluer. Mais toi, si tu veux réussir dans la vie, cherche Jésus-Christ, cherche Dieu. Il faut marcher sur le chemin le plus dur pour avancer. Ça ne sera pas facile. Tu risques même d'être persécuté parce que tu es avec Dieu. Si tu es avec Dieu vraiment, dans tes chansons, tu ne vas pas parler du sexe. Tu vas glorifier Dieu. Tous les humains même qui sont même dans l'industrie de la musique, là, normalement, vous êtes tous faits à l'image de Dieu. Dieu veut que vous l'adorez lui et lui seul. Parce que toutes les personnes qui vont adorer le diable vont suivre le diable jusqu'à là où il doit aller, dans les temps de feu. Déjà même en enfer.
pour si peu de choses, les gens sont devant les âmes, mon Dieu, pour si peu de choses. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est ce que le diable t'a dit de faire. Et les choses se compliquent chaque jour. Et plein de personnes qui veulent réussir, même être à la tête, même être le numéro un, sont tentés de faire des trucs comme ça. Et ce sont ceux-là même qui vont les suivre, qui seront voter, comme les femmes. Ça existe. On va parler des têtes de mort. Les têtes de mort que vous voyez sur les vêtements là, ou bien sur les chaînes, ou bien sur les packs, ne sont pas là pour rien. Ça montre leur niveau de spiritualité, ou encore où ces gens-là sont. Dans les clips, il y a les messages subliminaux. Et tout ça, les choses sont là pour jouer un rôle, pour vous informer sur là où vous êtes. Voici ce que nous sommes en train de dire. C'est même de la raison pour laquelle les gens sont devant les âmes pour avoir du succès et même être le numéro 1. Il y a combien d'artistes ici que vous avez connus qui ont eu un succès fou, qui ne sont plus à la tête? C'est parce qu'ils ont été laissés tomber. Ils ont été laissés tomber. Parce que le diable vous abandonne à la fin. N'entrez pas dans ce tel game. Faites attention. C'était encore une courte vidéo que nous faisons pour juste vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Soyez prêts pour la prochaine vidéo qu'on venait. Nous essayons de sauver le plus stable. Partagez cette vidéo aussi. Et dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un vous a proposé d'aller sur un futur show ou un marabout? Sachez que la personne qui vous demande d'aller sur un futur show ou un marabout fait quelque soit la chose que vous voulez faire. Cette personne-là sera votre pire ennemi. Parce que dès que vous mettez vos pieds sur le marabout, vous êtes déjà dans les problèmes. Parce que déjà là, on écrit votre nom dans le livre de l'enfer. Les démons écrivent vos noms. La date et l'heure à laquelle vous êtes venu chez le marabout, est-ce que vous venez venir chercher? Et c'est là même vous accuser après votre mort, quand les anges viendront vous chercher. Et les anges n'auront plus de droit sur vous. Faites attention, ces choses sont réelles. Prenez soin de vous et soyez prêts pour la prochaine vidéo. C'est parti.